Chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous assure que je viens de me réveiller et je viens de tomber sur cette information. Et c'est une information qui est grave. Regardez là-bas. Où est la fille qu'au fond là-bas là? Ha! Elle a fait l'erreur de sa vie. L'erreur d'utiliser en fait, un son d'une secte et de se mettre à faire des vidéos sur TikTok avec. Elle a fait la vidéo sur TikTok. Ça a bien marché. Les gens ont commencé à aimer la vidéo. Et les membres de cette secte-là ont vu cela. Quand les membres de cette secte ont vu cela, selon l'information que j'ai reçue, on nous dit que ces gens-là lui ont dit d'arrêter de retirer la vidéo. Elle n'a pas écouté. Puisque ça marchait déjà, tout ça ne pouvait pas obéir à cela. Et voici comment, quelques temps plus tard, les membres de cette secte-là, on ne sait pas par quel moyen, ils ont réussi à découvrir où la fille habite. Ils sont arrivés où la fille habite. Et ils ont commencé à lui faire du sale! Du sale comme ce n'est pas possible. Vraiment, les frères et sœurs, les images, je ne pourrais pas vous les montrer ici. Mais il fallait voir la fierté de les supplier quand ils lui faisaient du sale. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les seules informations qu'elle vient de recevoir, on nous dit qu'elle est décédée. Elle est décédée. Vous voyez le signe qu'elle fait de la main là? Vous voyez ça? Il y a certains signes que les gens font parce que c'est à la mode, sans savoir que ces signes sont reliés au diable. Je vous ai fait une vidéo en trois parties ici, en vous montrant comment les gens adorent le diable sans le savoir, comment les gens représentent le diable sans le savoir. Une partie va apparaître ici, à la fin de cette vidéo, vous allez la voir de vous-même. C'est-à-dire, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Quand Dieu nous a dit ça dans la Bible, on a pensé que c'était de la blague, non? Maintenant, regardez. Les gens pensent que c'est un tout, on s'amuse, c'est un tout, on plaisante. Il y a des choses sur la tête ici avec lesquelles il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas rigoler. Faut pas même ça, faut même pas arriver là-bas. Il y a un chemin ici sur la terre qu'on appelle le chemin de non-retour. Une fois que vous décidez de franchir la porte de ce chemin-là, vous devez continuer à avancer. Il n'y a plus de marche arrière. Ce sont des choses que vous devez savoir. Ce sont des informations que vous devez avoir. Comme toutes les vidéos sur TikTok, la fille a dit que wow, voici une vidéo, voici un son. Je peux juste l'utiliser et faire des choses là-dessus. Vous savez comment TikTok fonctionne. Moi-même, souvent sur TikTok, je rigole un peu. Ah! Mais elle ne savait pas que les gens à qui appartient cette vidéo étaient ancrés dans des choses du diable. Et que la vidéo qu'elle avait décidé de reproduire comme ça là, ça les avait touchés, hein? Ça les avait vraiment énervés. Au point où ils lui ont demandé de supprimer la vidéo. Ils lui ont même demandé de faire ce qu'elle devait faire, mais elle a vu cela de la plaque. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, j'apprends que la fille, elle est décédée. Ce qu'ils ont fait subir à la fille de la tête jusqu'à sa partie intime. Ah. C'est Dieu ce que connaît. Vraiment, mes frères et sœurs, faites attention à la vie. Si on vous dit que le diable est là-bas, n'allez pas le chercher. Il faut croire sans avoir vu. Si on vous dit, écoutez, tel chemin, c'est un mauvais chemin. N'y allez pas, croyez ça va toucher. Aujourd'hui, il y a les bagues magiques, il y a les poitrines magiques qui produisent de l'argent.
Tout ça, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Certaines pensent que c'est de la blague. Certaines personnes veulent aller toucher pour pouvoir croire si c'est vrai ou pas. Mais faites attention. Quand la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le peuple de Dieu meurt parce qu'ils n'ont pas l'information. Autrement dit, le peuple de Dieu meurt parce qu'ils ne sont pas bien informés. Ils ne sont pas informés sur certaines choses. Si la fille, elle savait que cette affaire allait la conduire jusqu'à la mort aujourd'hui, elle n'aurait même pas touché à cette audio, à cette vidéo. Elle n'aurait pas fait comme des sorciers, comme des satanistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux aussi, il y a le diable, il y a ses agents, eux sont de leur mouvement. Laissez-les là-bas, il faut les reconnaître, il faut reconnaître les signes. C'est pourquoi j'ai fait ces trois vidéos pour vous montrer les signes des satanistes, ceux qui sont des sectes. J'ai fait la vidéo. Vous voyez que ça ne rigole pas chez nous, hein? Et quand on fait les vidéos, c'est parce qu'on veut votre bien, on veut que vous vivez. On dit le diable, faut pas lui donner accès. Si tu as donné accès au diable et qu'il entre dans ta vie, hein, ouais, tu vas apprécier. La fille là, comment est-ce qu'elle a donné accès au diable? Elle a donné accès au diable quand elle s'est mise à utiliser une chose qui appartient au diable, c'est-à-dire le son qu'elle a pour faire sa vidéo sur TikTok. Et deuxièmement, quand elle s'est mise à reproduire les choses du diable et tout ça, comme ce qu'on voit le cas. Tout ça là, elle s'est dit que peut-être elle n'était pas consciente de la gravité de ce qu'elle fait. Même les gens de CSS lui ont envoyé le message, ils lui ont dit: est-ce que tu sais la gravité de ce que tu es en train de faire dans la vidéo? Elle n'a pas pris cela au sérieux. Ils l'ont clairement posé cette question: est-ce que tu sais la gravité de ce que tu es en train de faire? Elle ne savait pas. Mais quand ils sont venus dans la vie réelle, la séduire, l'attraper et lui montrer de toutes les couleurs, non, elle a commencé à demander pardon. Elle a commencé à demander pardon, elle dit: oh, pardonnez, je suis votre soeur, non? Je suis comme votre soeur, pardonnez. Mais c'était trop tard. Son arrêt de mort était déjà signé. Et elle est partie. En tout cas, moi, vraiment, pour moi, le diable est vraiment méchant. Et il y a les gens comme le diable ici sur la terre. Je vous l'ai dit dans les deux premières vidéos du jour. Il y a les gens comme le diable ici sur la terre. Pardonnez. Veillez sur vos pas. N'entrez pas dans certaines choses. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur ce point. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, ça m'intéresse.